La légende raconte que chaque année, dans une contrée endettée, un groupe d'artistes résiste et combat le changement d'heure avec des crayons. Une BD, une minute, un présentateur, ça fait deux présentateurs. BDM. Les 23 heures de la BD, c'est un marathon où chacun doit créer une BD de 24 pages sur un thème imposé pendant 23 heures consécutives. Et pourquoi 23 heures? Car ça se passe pendant la seule journée de l'année composée de 23 heures. La journée du changement d'heure d'été. Tout le monde peut y participer, que ce soit en solo ou en groupe. Le marathon démarre le samedi à 13h avec la révélation d'une contrainte, comme par exemple inclure des chapeaux rigolos dans votre BD, ainsi qu'un thème comme la cohabitation ou encore la reproduction des lapins. Maintenant que vous connaissez la théorie, il est temps de passer à la pratique et on va vous y aider. Voici José, un dessinateur lambda. J'ai fait un bonhomme qui pète. Et grâce à nos deux dessinateurs, José va réussir ses 23 heures de la BD. Règle numéro 1, l'endurance. Ah, j'ai terminé mon premier bonhomme. Je me ferais bien une pause. Première erreur de José, ne jamais s'arrêter dans sa lancée. Hé, tu bosses là ! Règle numéro 2. Le costume de lapin. Le costume de lapin est un indispensable pour les 23 heures. José ? C'est un dino, ça. Je sais, j'avais pas de costume de lapin. Très bien, donc si vous n'avez pas de costume de lapin comme José, vous pouvez manger une carotte. Ah ! Non, pas dessiner. Règle numéro 3. Bien s'alimenter. L'alimentation est nécessaire à la bonne hygiène de vie du dessinateur. José ! Oui ? Règle numéro 1 ! C'est mieux. Que dirais-tu de manger des pâtes ? Avec des saucisses. Ah ouais ? Et une magnifique sauce carbonara. Miam miam ! Suivi d'un yaourt à la vanille. Carrément. Eh ben oublie ! Tu vas plutôt manger un grand café. Oh non. Une boisson énergétique. Oh. Si. Et une boîte de conserve. Oh non. Allez, bon appétit. Ah bon? Non mais allez, c'est froid. Pas de micro-ondes? Non. Règle numéro 4, le matériel. En effet, un bon matériel est primordial à la réussite de vos 23 heures. José ? Oui ? Avec quoi dessines-tu ? Ah, alors là, je suis fier de moi. Ah, j'ai pris plusieurs crayons pour en créer, dessiner. J'ai plusieurs crayons de couleur pour donner de la vie à mon dessin. J'ai des pinceaux qui vont servir à la peinture que j'ai réussi à trouver pour pas cher. Je suis fier de moi. Et enfin, une paire de carnets pour moi m'exercer au départ. C'est bien, José. Tu te crois chez Soleil ? Tu la sors quand, ta BD ? Dans 2 ans ? T'as 23 heures, putain ! Papier ! Crayon ! J'ai droit à une gomme ? Non ! Tu crois que t'as le temps de gommer ? Règle numéro 5, la ponctualité. José ! Les 23 heures sont terminées. Quelle est ton histoire ? J'ai fait un bonhomme qui pète. Tout du long ? Parce qu'il est pétomane. L'originalité importe peu. Le principal, c'est que vous ayez terminé vos 24 pages le dimanche à 13h, comme José. J'ai fait 3 pages. Rendez-vous le week-end du 29 et 30 mars pour ces 23 heures de la BD 2014, parrainé cette année par Maliki. Bon courage à vous, le lapin d'or est au bout du chemin.